Pour les rillettes de sardines, commencez par écraser les sardines dans un cul de poule à l'aide d'une fourchette. Ajoutez le fromage frais, l'échalote émincée, la ciboulette ciselée, les câpres, le paprika, le sel et le poivre et mélangez. Pour les maquis de courgettes, vous allez tout d'abord tailler de fines bandes de courgettes à l'aide d'une mandoline. Blanchissez-les en les plongeant dans une casserole d'eau bouillante, puis en les débarrassant dans une eau glacée. Ensuite, égouttez-les délicatement et réservez-les au frigo. Sur un film plastique, disposez les bandes de courgettes les unes à côté des autres, en veillant à ce qu'elles se chevauchent légèrement. Mettez un peu de rillettes de sardines à la base, puis, en vous aidant du film plastique, roulez les bandes de courgettes pour former un rouleau. Pour finir, retirez le film plastique et coupez 3 tronçons. Pour la sauce aux piquillos, mixez les piquillos confits avec un peu d'huile d'olive. Pour le dressage, commencez par tracer 2 virgules et dessinez quelques points avec la sauce aux piquillos. Répartissez les 3 maquis dans l'assiette, réalisez une petite quenelle 2 de hareng sur chaque maquis et pour finir, ajoutez quelques pousses d'aneth. Et voilà comment réaliser chez vous du délicieux maquis de courgettes, rillettes de sardines pour régaler votre famille.